Ça marche comme ça, on n'a qu'à dire que c'est la vie. Non, 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 non. Oh merde, on est en vidéo. Salut mon gars. Day 850, nouvelle vidéo sur du MXGP. Malheureusement, pas encore du WRC5. On devrait le recevoir, enfin, je devrais le recevoir avant la fin de la semaine, hein, parce que j'ai commandé pas mal de jeux. Waouh! Je vais en avoir. Mais bah, barrez-vous, putain! Le départ, c'est toujours casse-buburne! Merde, fucker! Wouhou! Oh, putain, je suis parti comme une... Oh non! Oh non! Donc, on devrait avoir 3 jeux qui vont arriver avant la fin de la semaine, sachant que ce mois-ci, j'ai commandé 5 jeux PS3 et PS4. Le tout, hein. Pas 5, 5 et 5, non. 5 entre le 5 des deux. Donc, on va avoir pas mal de jeux à doser, surtout WRC5. J'ai hâte de vous proposer WRC5. Je l'ai jamais fait. Je m'y suis arrêté au premier. Donc, j'ai encore pas mal de jeux à compléter pour ma collection. Je fais n'importe quoi! Pour ma collection PS3, PS4. Donc, ça peut être pas mal. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir prendre 5 jeux tous les mois. Hein. Je suis pas non plus Crésus. Je suis pas la Banque Populaire. Je suis pas riche de ouf. Voilà, c'est ce mois-ci, c'est exceptionnel. Puis j'ai pas acheté des jeux plein pot, donc ça va, c'est pas des jeux neufs hors de. Ah, je me traîne, les gars. Ça va, c'est pas des jeux qui coûtent une blinde, donc ça va, je m'en sors bien. Et je pense que ouais, ça sera de toute façon, ce sera pas tous les mois comme ça. Même si c'est pas des jeux chers, quand on achète 5, ça monte vite. Donc le mois prochain, il y en aura, je pense pas acheter de jeux. Et d'ailleurs, Rally Evo, je comptais le prendre, mais là, comme j'ai acheté 5 jeux et tout, j'attendrai qu'il baisse un petit peu Rally Evo. Tant pis si j'aurai moins de visibilité, parce que ça, c'est WRC5, c'est un jeu moins récent que Rally Evo. Mais voilà, je l'ai pris. Non, je fais n'importe quoi sur cette course. Rendez-moi mon skill. Ah ouais, non, mais c'est n'importe quoi, mon gars. Allez, on essaie de se concentrer un peu. Et de surtout pas les laisser me devancer. Ouais, casse-toi. Oh, le con. Ah, comment je t'ai coupé ça? Ils ont rien compris. Non! Ouh! Yes. Alors, vous jouez toujours les marioles avec moi? Pour vous montrer, c'est qui le plus fort. C'est qui le plus fort? Biatch! Je vous avais proposé une vidéo des fouloirs, mais je l'ai mis en privé. Je sais pas, je la trouve pas, comment dire. Je me mets à la place d'un gars qui arrive sur ma chaîne, il se dit waouh, le mec il est chaud quoi. Tu vois, donc je me suis dit non, je vais la mettre en privé, peut-être que je la remettrai plus tard, je sais pas. Je sais pas. C'est rare, hein. C'est la première vidéo que j'ai mis en privé sur ma chaîne YouTube. Mais la première est peut-être la dernière, parce que moi j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais, il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage. Mais celle-là, je sais pas, moi-même le jour où j'ai fait ça, je me sentais bizarre. J'ai dit non, je sais pas, déjà je savais pas si je voulais la proposer. Et il y a beaucoup de vidéos, qui est sur mon disque dur, que je vous ai pas proposé. Sur du Fallout 4 et du MXGP. Et j'ai dit non, là, je sais pas, là j'ai pas envie de vous les proposer, j'ai pas envie de les proposer, je sais pas, je la sens pas. Donc là, il y a peut-être une dizaine de vidéos qui sont en stock, mais je les ai pas mis. J'avais même fait du Tetris, j'avais fait la vidéo, j'avais fait le montage, tout. Et au moment de l'upload, j'ai dit non, allez, je la supprime. Ils vont pas trop kiffer, je sais pas, enfin. Ça arrive, hein. Les youtubeurs peuvent pas proposer tout ce qu'ils font, hein. Je veux dire, tout se fait en une prise, mais tout s'upload pas en une prise. Putain, j'arrive plus à parler, bordel. Oh mon gars, cette nuit,
Je t'ai fait un rêve, il était tellement hardcore que il serait censuré partout, et il était tellement réaliste que laisse tomber, j'y ai cru, et mon rêve du côté obscur m'y a tellement emmené loin que j'ai dit putain c'est chaud, et là quand je me suis levé j'ai dit putain heureusement que c'était qu'un cauchemar, mais je crois que je peux pas le raconter, même à mon meilleur ami je peux pas le raconter ce cauchemar, parce que faut le censurer, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Je te jure, mon gars, c'est un truc de malade. J'ai jamais fait un cauchemar comme ça, mais là, c'était chaud. Et l'esprit, le subconscient, comme quoi, il nous réserve bien des idées, des choses que tu n'imaginais pas, ou alors que tu l'avais au fond du cerveau, ça te le multiplie fois 100 dans un cauchemar. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est fou! Il était tellement hardcore, celui-là, putain. Moi-même, ça m'a étonné. C'était digne d'un film d'apocalypse. C'est n'importe quoi le film. Command girl, my race. J'ai fini premier, mais au début de la course, j'ai fait pas mal de boulettes. Je vais pas te le cacher. On n'a pas fait de débat sur cette vidéo, mais bon, de temps en temps, c'est bien de faire que du gameplay et de parler un petit peu des aléas du direct, quoi. Donc voilà, je crois qu'on va se quitter là, hein. J'ai rien d'autre à te dire à part que en espérant que la prochaine vidéo sera sur WRC5, hein, parce que ça commence doucement à m'énerver là de faire le million de fans, c'est long, c'est long, regarde chez moi. En plus j'ai pris du retard, hier j'ai pas joué, c'est pour ça qu'hier je vous ai pas proposé de vidéo, normalement je serais à plus de 500 000 là, fans. Bon c'est pas grave mon gars, c'est pas grave, on va faire l'affaire comme ça, à plus tard pour d'autres vidéos, ciao!